Salut les golfeurs, salut amis de la chaîne, je vous emmène golfer. Aujourd'hui, on se retrouve en cette magnifique journée d'été sur un parcours de golf. Et aujourd'hui, on inaugure une nouvelle playlist qui est, attention, les idées reçues sur le golf. Parce que toi aussi, t'en as marre d'entendre oh, le golf, c'est pas un sport, le golf, c'est cher, le golf, c'est pas pour moi, et ainsi de suite. Mais pas du tout. Donc, la démonstration de ces vidéos, ça va être de vous montrer et de vous démontrer tout l'intérêt d'aller découvrir le golf. D'ailleurs, à savoir, pour les néo-golfeurs qui vont regarder cette vidéo, toi qui n'y connais rien, le meilleur moyen de découvrir, c'est d'aller directement dans un golf. Sache une chose, c'est que les initiations aujourd'hui sont gratuites. T'appelles le golf qui se trouve juste à côté de chez toi, tu leur dis bonjour, je voudrais découvrir le golf. Et ils te répondront, mais bien sûr, venez. Ils te feront découvrir le golf, te prêtent le matériel, un pro te prend en charge, te fait découvrir le parcours, le practice, les installations. Bref, le meilleur moyen de découvrir le golf, eh ben c'est directement d'y aller. Donc pour être très franc, moi on me dit souvent, ah ouais, le golf, c'est pas un sport. Alors, quelques éléments clés pour te démontrer que le golf, c'est un sport. Alors, j'ai connecté Google Fit, pour ceux qui connaissent les applis d'analyse, pour savoir un petit peu quelles étaient les données que l'on pouvait avoir sur un golf. Première donnée, super intéressante, la marche. Je vous mets un exemple de partie, c'est à peu près 12 000 pas réalisés, une distance qui va varier entre 8 km, 8,5 km, des fois même 10 km. Tantôt en montée, tantôt en descente, ce qui représente à peu près rien que sur la marche, 1000 calories de cramer sur un parcours de golf de 18 trous. Ajoutez à cela. Ajoutez à cela une bonne vingtaine de coups de fer sur le parcours. Quand je dis une vingtaine, c'est sans compter les coups d'essai pour ceux qui en font un, deux, des fois trois. Et c'est au moins 20 coups, puisque c'est ce qui est prévu sur le parcours. Mais on en fait toujours un petit peu plus. Alors le golf se pratique de différentes façons. Hein. Autant ça peut être de la balade golfique, hein, détente, regardez le décor est plutôt sympa. Ça peut être du sport, va se jouer ce week-end, pour ceux qui regardent la vidéo, ça a déjà eu lieu, le Grand Prix d'Ablège, où ce sont de vrais compétiteurs qui, pendant 4 heures, restent particulièrement concentrés, donc une usure, ajoutez à cela une usure mentale. Alors ok, c'est pas cardiaque, mais en attendant, ça reste du sport. Ajoutez à cela de 0 à 18 coups d'approche, des petits coups qui nécessitent beaucoup d'agilité et de précision. Pour monter sur le green, ajoutez à cela 36 coups de précision sur le green au putter pour rentrer sa balle dans le trou. Et voilà. Bref, vous l'aurez compris, le golf c'est un sport d'endurance qui se pratique sur le temps, 4 heures pour une partie de 18 trous, qui fait grandement marcher, entre 8 et 10 km, donc cramer des calories, et qui demande énormément d'énergie mentale pour se concentrer sur les longs coups de fer, sur les longs coups de départ, sur les approches, sur le putter. Autant dire, au bout de 4 heures, il y a de l'énergie qui est passée. Voilà, le golf c'est un sport, le meilleur moyen pour vous c'est d'aller le découvrir. Rendez-vous dans le golf à côté de chez vous, prenez rendez-vous, appelez-les pour une initiation gratuite. Toutes les initiations dans les golfs sont gratuites et venez découvrir la passion de cette activité et du sport. À bientôt les amis!